Salut les amis et bienvenue dans Lieu à l'abandon. Vous vous demandez pourquoi on commence la vidéo dans ma voiture avec Audric. C'est simple, on allait normalement faire l'exploration et Audric va vous expliquer ce qui s'est passé. On rigole déjà. On est tombé sur 4 voitures, il y avait 4 personnes dans l'aérodrome. On a fait demi-tour parce qu'on les a vus. Et dès qu'on a fait demi-tour, il y a une des personnes qui est venue avec sa voiture et nous a remballé bien gentiment. Voilà, donc elle nous a remballé si vous voulez. Nous on voulait partir discrètement, c'était un peu foutu parce que ce qui s'est passé, nous on le savait pas en fait. Enfin si, on l'a un peu vu, il était mis au terrain militaire, mais bon, on a dit gentiment, d'abord en flamand. Nous, on a montré qu'on parlait français, donc il nous a parlé en français, il a dit « qu'est-ce que vous foutez ici ?» Et moi j'ai dit « on vient faire des photos ». Et il m'a répondu, vous n'avez rien à foutre ici, c'est un terrain militaire. Au moment où vous êtes rentré, il y a des alarmes qui sont allumées. J'ai dit, on va partir, excusez-moi. Donc du coup, au lieu de faire une vidéo normale, on va faire un genre de petit vlog en filmant un peu notre journée. Et en même temps, on va aller visiter un petit endroit qui se trouve près de chez moi. C'est un ancien centre de tir abandonné depuis plusieurs années, je dirais au moins 10 ans. Et j'aimerais vous le montrer, c'est très petit, mais voilà, j'aimerais le visiter vu qu'on a un peu raté notre exploration, pardon, j'en perds mes mots, et vous montrer un peu cet endroit-là. Donc on se retrouve et à tout de suite. Voilà les amis, suite de la vidéo, donc comme prévu, nous allons visiter un ancien centre de tir abandonné qui se trouve près de chez moi. Je vous avais également prévenu qu'il était en assez mauvais état. Voilà les amis, donc ça c'est l'intérieur du centre de tir. Je vous avais dit c'est très petit, je suis même pas sûr si je serai allé voir le reste du bâtiment. Je vais tenter d'aller voir un peu plus loin. Faut juste que je fasse attention où je mets mes pieds parce qu'il y a des trous un peu partout. La nature a clairement repris ses droits. Va pas plus loin, toi, tu vas te faire mal. Je te jure, il y a des ronces partout. Donc la nature, comme vous pouvez le voir, a clairement repris ses droits. Donc c'est vraiment... ça fait de nombreuses années que ça a abandonné, je dirais une quinzaine d'années facilement. Je m'en souviens encore quand il était actif. Mais ça fait vraiment donc longtemps que c'est vraiment... abandonné et dans cet état-ci. Donc voilà, donc la vidéo ne se termine pas ici, hein. Je vais faire un genre de vlog comme je vous l'ai dit, avec un peu d'exploration et en même temps je vais un peu vous montrer les différents endroits, enfin cet endroit-ci abandonné, un peu ce qu'on fait de notre journée, vu que c'était pas prévu qu'on vienne ici, donc on va un peu modifier notre journée. Et voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et il y a des endroits qui sont complètement interdits. Même abandonné, ça reste dangereux et je vous conseille en aucun cas de faire ce que nous faisons parce qu'il y a clairement des risques. On range le téléphone. Je vais remettre sa ceinture. Oh la crise. Voilà les amis, on a été chercher de l'argent. On va aller laver la voiture parce qu'elle a grand besoin d'un nettoyage. Voilà les amis, donc on se retrouve. Comme vous pouvez le voir, la voiture est dégueulasse. Donc on va vraiment la laver parce que là, elle a besoin de décrassage. Ça, c'est plus facile pour moi, au moins deux tutos au montage. Regardez Maxime. En train de s'amuser avec la mousse. Je vais te laver ma voiture. Je veux aller juste décrasser, la laver complètement, je la ferai demain, je la ferai laver. Je voulais faire un petit clin d'œil à mes anciens collègues de l'entreprise pardon, où je travaillais avant, je viens de les croiser. Un petit coucou au petit Chich, il se reconnaîtra.
Les amis, je dois aller chercher un petit truc dans un magasin. Donc voilà, la vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit vlog, on va dire ça comme ça. Et sur un peu notre journée, comment elle s'est passée et tout ça. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, comme d'habitude, on s'est vraiment bien amusé. J'ai le soleil en pleine face. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.